l'idée, c'est d'être au départ du prochain Vendée Globe. Donc le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Ça part tous les 4 ans. Donc le prochain départ, c'est en novembre 2016, à la veille de Capitale Européenne du Sport, Marseille Capitale Européenne du Sport. Et donc c'est un projet qui va s'intégrer pleinement au dispositif de l'année capitale et aussi qui se veut avoir un ancrage fort au niveau territorial pour la valorisation, l'attractivité du territoire et qui a un gros impact sur les différentes politiques liées, qu'elles soient industrielles avec par exemple la construction d'un bateau, alors peut-être pas pour cette édition mais pour la prochaine édition dans les chantiers de la Ciotat, mais aussi sur la R&D par exemple avec des liens avec le pôle aéronautique, sur la recherche avec des liens avec Aix-Marseille Université et puis évidemment tout un volet social et éducatif en lien avec, avec les écoles et les collèges où il y a vraiment beaucoup de contenu à amener sur ce genre d'épreuve. Alors qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui pour le projet de finance ? Aujourd'hui évidemment on cherche des partenaires hein, puisque c'est avant tout avec des partenaires privés qu'on veut financer le projet. On a plusieurs petits partenariats qui sont déjà actés mais il nous manque un partenaire principal qui pourra nous permettre de déclencher le projet. Il nous reste pour ça 4-5 mois pour convaincre les différentes entreprises avec lesquelles on est en train de discuter en ce moment. Mais on espère vraiment être prêt à annoncer de bonnes nouvelles à la rentrée scolaire 2015 et d'avoir enfin un premier Marseillais qui participe au Vendée Globe en novembre 2016.